Et Lucia, c'est ainsi que l'on nomme l'énergie qui sommeille en nous. Chaque être humain vient au monde avec cette puissance qui ne demande qu'à être exploitée. Elle offrirait à quiconque parvient à l'éveiller le pouvoir d'assouvir ses desseins. C'est la fusion de l'ambition et de la conviction qui permettent à l'Élucia d'atteindre sa plénitude. Lorsque ces deux éléments viennent à se rencontrer, l'Élucia s'éveille et se matérialise sous la forme d'une rose. Luya avait réuni les éléments nécessaires et provoqua l'éveil de son Élucia. Elle s'apprêtait à la saisir et embrasser ce qu'elle avait à lui offrir. Ambitieuse de se lancer pleinement dans ce en quoi elle aspirait profondément. Parée à en découdre avec le destin que la vie semblait lui imposer. Cependant, une telle énergie, si rayonnante, est fatalement source de convoitise et de jalousie. Elle n'était qu'au début d'un long voyage qui allait être fortement ralenti par la vie elle-même et par ses très nombreux détracteurs. Et ça, Luya allait très rapidement s'en apercevoir.